La tête de cette influenceuse a été retrouvée dans une marmite. Police believed that Abby was attacked in the car. Il y a du nouveau concernant l'affaire du meurtre sur cette influenceuse chinoise. La mannequin Abby Choi a été tuée et son corps démembré vient d'être retrouvé. Hey guys, the murder of Abby Choi is trending everywhere. Abby Choi, Taiyinfo. Elle, c'était Abby Choi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après 2 semaines, je crois, sans poster de vidéo. Et je devais vous poster une grosse vidéo la semaine prochaine, du coup je bossais à fond dessus. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que je voulais parler absolument de cette affaire, de l'affaire du jour, dont vous avez forcément entendu parler. Si vous parcourez un peu les réseaux sociaux, que vous regardez les news, le nom d'Abby Choi était clairement partout ces derniers jours et il est encore un peu partout. Du coup, comme à l'ancienne, je me suis posée, j'ai pris quelques notes et je me suis dit que j'allais partager cette histoire avec vous, un peu sous format podcast, un peu chill. On va pas perdre de temps, donc prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire si vous avez envie et let's go to the video. Il était une fois une famille ordinaire de Hong Kong, les Kwong. Le père était sergent de police et la mère, mère au foyer, elle s'occupait de ses 2 garçons. Vous le savez peut-être, Hong Kong est une ville de tous les extrêmes. Vous pouvez voir des voitures de luxe passer juste à côté d'immeubles où s'entassent des gens. À Hong Kong, il y a même un phénomène d'appartements cage, on va dire ça comme ça. Des mini-appartements de genre 5 mètres carrés où on peut simplement mettre un matelas pour dormir. Et ces appartements sont loués aux gens les plus pauvres. Et à côté de ça, vous avez des grands immeubles avec des penthouses, des appartements à plusieurs étages où vivent les gens les plus riches, quoi. Dans cette grande métropole, beaucoup de gens veulent améliorer leur vie, veulent grimper l'échelle sociale, et c'est le cas des Kwong qui ne sont pas dans la pauvreté extrême, mais qui pourraient avoir une vie un petit peu plus confortable. Et justement, ils pensaient toucher le jackpot quand leur fils, Alex, a commencé à sortir avec la riche héritière de la famille Choi, Abby. Et malgré leurs différences sociales, ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants, ils ont vécu heureux. Mais bon, ça c'est pas toute la vérité, ok? La lune de miel a été de courte durée. Parlons un petit peu d'Abby. Abby Choi est l'héritière d'une grande riche famille hongkongaise. Sa famille a fait fortune grâce à du commerce avec la Chine continentale. Bref, il pèse dans le game. Et Abby, elle mène vraiment une vie de luxe. Elle baigne dans la lumière, elle est invitée à tous les événements les plus prisés. Si vous allez sur son Instagram qui est encore actif, vous pouvez voir qu'elle était récemment à la Fashion Week de Paris. Et puis elle a rencontré pas mal de stars. On la voit discuter avec Anya Taylor-Joy, l'actrice. C'était le genre de vie qu'elle menait. Du coup, son compte Instagram est une vraie fenêtre sur son existence, sur sa vie très glamour. Elle vit la vie que toutes les Instagrammeuses veulent avoir, clairement. Et puis surtout, elle, elle peut se le permettre. Ce n'est pas du tout une façade, elle a l'argent pour. Sa fortune est estimée à 11 millions d'euros. C'est vraiment la définition de naître avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais derrière cette facette qui pourrait paraître assez superficielle, Abby est une personne incroyable. Mais vraiment, elle avait l'air d'être juste incroyablement gentille et généreuse. Et justement, peut-être qu'Abby était un petit peu trop gentille. C'est peut-être ce trait de caractère qui a causé sa perte au final. Pour vous donner un peu une idée de son caractère, elle avait créé une association en lien avec la protection des animaux, donc une sorte de refuge. Et un jour, des gens lui ont apporté une sorte d'animal, de chat, qui était extrêmement blessé. Vraiment, il était à l'article de la mort. Il avait essayé de traverser une route et il s'était fait renverser, écraser. C'était horrible. Dans d'autres circonstances, d'autres refuges auraient certainement dit « Ok, on peut pas faire grand-chose pour lui parce que ce chat a beaucoup trop souffert, il vaut mieux le tuer, il vaut mieux l'achever. » Mais Abby, elle, n'était pas du tout d'accord avec ça. Elle voulait absolument tout faire pour le remettre sur pied, toutes les chirurgies nécessaires, toutes les rééducations nécessaires, et elle a réussi à sauver ce chat. C'était vraiment une très belle âme. Quant à Alex Kwong, je vous en ai un peu parlé en début de vidéo, mais on ne peut pas dire qu'il était aussi privilégié qu'Abby. Les Kwong ont énormément de problèmes d'argent notamment. Le père de famille, Cao, était auparavant policier. Mais il s'était fait virer pour des raisons un petit peu sombres dont on parlera plus tard. Abby et Alex se sont rencontrés à l'adolescence. Comment ? Je ne sais pas exactement parce qu'en fait, ils ne fréquentaient pas du tout les mêmes cercles, mais ils ont réussi à se rencontrer. Une petite idylle est née, ils se sont tout simplement mis en couple et juste à leurs 18 ans, ils ont décidé de se marier. 18 ans, c'est hyper jeune. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi autant de précipitation, ok? Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais dans mon esprit, je pense que cette idée venait d'Alex. Alex, à mon avis, a dû voir en Abby déjà une très belle jeune fille, une jeune fille avec un très bon caractère, très gentille, etc. Mais c'était aussi sa clé de sortie.
de la misère et de la pauvreté. Il allait permettre à sa propre famille de s'en sortir. Je pense que Abby était pour lui une aubaine, une opportunité. Et que du coup, à 18 ans, il s'est dit « Ok, je ne peux pas la laisser partir. Si je la laisse partir, elle se mariera avec quelqu'un d'autre. C'est clairement la chance de ma vie. » Du coup, ils se marient, ils ont très vite deux enfants et ils pensent pouvoir affronter tous les problèmes de la vie, ok? Le problème, c'est qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes et plus ils grandissent, plus ils réalisent qu'ils ne sont pas forcément faits l'un pour l'autre. Ce n'est pas très très clair, on ne sait pas exactement quel type de problèmes conjugaux ils avaient. En tout cas, ils ont décidé de se séparer quand ils avaient la vingtaine. Est-ce que c'était une décision commune? Est-ce que c'était une décision d'Abby ou d'Alex? On ne sait pas exactement, mais en tout cas, ils se sont séparés. Malgré cette séparation, Abby, elle, ne veut absolument pas laisser tomber l'homme qu'elle a toujours aimé. C'est son premier amour. En plus, elle adore aussi sa belle famille. Et donc, elle ne se voit pas du tout partir et leur tourner le dos complètement. Surtout que visiblement, la séparation s'est faite d'un commun accord. Il n'y a pas d'animosité entre eux. Du coup, après leur rupture, elle décide de financer le train de vie de son ex-mari, mais aussi de toute sa famille. En 2019, elle achète un appartement à ses anciens beaux-parents. Il faut aussi savoir qu'elle finançait la vie d'Alex. Alex qui s'affichait sur tous les réseaux sociaux, en voyage, dans des appartements de luxe. Tout cela payé par son ex-femme. C'est assez dingue. Et également, Abby a aussi embauché Anthony qui était du coup son ex-beau-frère, le frère d'Alex. Anthony est devenu son chauffeur privé et donc il la voyait très régulièrement. Ils faisaient même beaucoup de photos ensemble sur son Instagram. À Anthony, il y a énormément de photos avec Abby, comme si elle était vraiment sa sœur en fait. On peut voir là que cette jeune femme était extrêmement généreuse. C'est incroyable de faire ça pour son ex-belle-famille. Peu importe l'amour qu'elle leur portait, c'est quand même incroyable. Quelques années plus tard, Abby tombe à nouveau amoureuse. L'amour lui tombe dessus, c'est génial. En fait, elle renoue avec Tam Shuk Kwan, qui était un de ses amis d'enfance. Il était un de ses amis d'enfance, mais il était aussi le fils du fondateur d'une grande chaîne de restaurants de Hong Kong. Donc voilà, il faisait clairement partie de son cercle. Hein. La relation entre Abby et Tam, elle est basée sur une grande affection, une affection profonde. En fait, ils se sont rencontrés dans une école internationale quand ils avaient 10 ans. Ils ont beaucoup sympathisé et puis la vie a continué. Abby s'est mariée, ils se sont perdus de vue. Là, quand ils se sont revus quelques années après que Abby ait divorcé d'Alex également, ça a été le coup de foudre. Donc, ils ont commencé à sortir ensemble et selon les proches du couple, ils étaient inséparables. Ils étaient souvent vus ensemble lors d'événements liés à la mode, mais aussi lors de galas de bienfaisance, ils passaient tout leur temps ensemble, ils s'entendaient extrêmement bien, ils étaient très fusionnels. Et Tam adorait sa femme. Il ne tarissait pas d'éloges, il en parlait toujours dans des termes extrêmement élogieux. Il louait sa beauté, sa générosité, sa gentillesse. Il était juste fou amoureux d'elle et tout se passait très très bien entre eux. Ils ont fini par se marier. D'ailleurs, à leur mariage, fait quand même assez incroyable, Abby a invité son ex-belle-mère qui est venue avec plaisir participer au mariage de son ancienne belle-fille. La dynamique était assez intéressante, mais en tout cas, ils avaient l'air de bien s'entendre. Finalement, ce nouveau mariage n'entachait pas du tout les relations entre Abby et son ex-belle-famille, bien au contraire. Et d'ailleurs, fait extraordinaire, moi, qui me paraît incroyable. Une fois, Abby a décidé de partir en vacances avec sa propre famille, sa belle-famille et son ex-belle-famille. C'est-à-dire qu'ils s'entendaient tous très très bien a priori. Mais visiblement, tout le monde n'était pas favorable à cette relation. Alex, son ex, a l'air particulièrement jaloux de leur relation et il essaie de créer la discorde entre Tam et sa femme. Bien sûr, il voit régulièrement Abby et donc il voit aussi régulièrement Tam. Je vous l'ai dit, c'était des relations assez particulières entre eux tous. Et donc un jour, Tam doit aller à un rendez-vous de physiothérapie parce qu'il a eu un accident de patinage. Donc voilà, il doit aller chez le médecin. Alex propose de l'accompagner et sur le chemin, il lui dit, tu sais Tam, au lieu d'aller à ton rendez-vous, tu veux pas qu'on aille dans un casino, voilà, qu'on aille jouer un petit peu, ça pourrait être sympa. Et là, Tam se dit, mais c'est bizarre, pourquoi tu me dis ça? Moi, je dois aller à mon rendez-vous et en plus, je ne peux pas faire ça à Abby. Malgré les préoccupations exprimées par certains de ses amis, quelques amis d'Abby lui expriment leurs inquiétudes concernant le comportement d'Alex, mais elle balaye ses inquiétudes d'un revers de la main et elle leur dit, écoutez, moi je connais bien Alex, on a vécu ensemble pendant tellement longtemps, en fait je lui fais totalement confiance quoi. Mais en février 2023, les événements prennent une tournure tragique. Le 21 février, Abby Choi est portée disparue et c'est une affaire importante. On parle quand même d'une fille de très bonne famille, l'héritière de la famille Choi, et aussi on parle d'une mère de 4 enfants quoi. Immédiatement, la police se met à la recherche d'Abby, ils vont interroger sa famille, ils font le tour des lieux où elle se rend souvent, personne ne l'a vue.
Vraiment, c'est très étrange. Au fil de l'enquête, les policiers apprennent que Abby était assez soucieuse ces derniers jours, notamment à cause d'un conflit familial. Souvenez-vous, Abby avait acheté un appartement à ses ex-beaux-parents d'une valeur de 73 millions de dollars hongkongais. Problème, elle voulait à présent récupérer cet appartement pour le vendre. Elle s'est rendue chez sa belle-famille, elle leur a expliqué « Écoutez, j'ai un projet, j'ai besoin de revendre cet appartement, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous reloger, je vais vous trouver un autre logement, j'ai juste besoin d'avoir l'argent de cet appartement. » Et ça, c'était une proposition assez généreuse, elle n'était absolument pas obligée de le faire, comme elle n'était pas obligée de leur acheter ce premier appartement à ce prix incroyable, mais Cao, donc le père d'Alex, était vraiment hostile à cette décision. Il ne voulait pas du tout quitter cet appartement et il l'a bien fait comprendre à Abby. Et cette affaire a pris une telle ampleur qu'Abby a dû consulter un avocat. L'avocat lui a dit « Bah écoutez, vous pouvez toujours vendre cet appartement et vous obtiendrez bien sûr l'argent de cette vente à condition que vous puissiez prouver que bah, c'est bien vous qui l'avez acheté. » On ne sait pas vraiment si cet appartement a été vendu, mais en tout cas, ce différend a causé une véritable rupture entre Abby et son ex-belle-famille. Le 21 février 2023, Abby Choi se réveille. Elle enfile des vêtements, elle est habillée tout en blanc, un t-shirt blanc, un pantalon blanc, et elle va vaquer à ses occupations, et le soir, elle ira récupérer ses enfants à l'école. Comme d'habitude, elle appelle son chauffeur et ex-beau-frère Anthony pour qu'il vienne la chercher au pied de son immeuble. Mais le soir venu, Abby ne se présente pas devant la grille de l'établissement scolaire où étudient ses enfants. Donc ses enfants attendent quelques heures et leur mère n'est toujours pas là. Forcément, la famille de Tam, le père, est prévenue. Et puis tout le monde commence à s'inquiéter parce que personne n'a vu Abby depuis quelques heures. Les enquêteurs s'intéressent à toutes les pistes, peut-être un enlèvement pour une rançon. Mais bon, non, ils auraient déjà été contactés. Ou bien un conflit familial. C'est peut-être dans cette direction qu'ils doivent se diriger. Les policiers savent que bien souvent dans ce genre d'affaires, la famille est impliquée. Alors ils s'intéressent à la famille d'Abby, a priori ils n'ont rien à se reprocher, à la belle famille actuelle d'Abby, pareil, ils n'ont rien à se reprocher. Mais qu'en est-il de l'ex-belle famille d'Abby Choi? C'est là que les enquêteurs découvrent le sombre passé de Cao Kwang, qui est le père d'Alex, l'ex-mari d'Abby. C'est un ancien sergent de police, mais plutôt du type bad cop, quoi. Il a fait des choses assez horribles. En 2005, une jeune fille se rend au commissariat où travaille Cao. Elle est apeurée, elle est stressée, elle est angoissée. Dans tous les cas, quand on se rend dans un commissariat, généralement, on n'est pas dans le meilleur état, hein. Et elle est très surprise de voir ce papa, hein, qui l'accueille avec bienveillance, qui veut prendre soin d'elle, qui veut recueillir sa déposition et qui est juste hyper humain, quoi. Mais les choses ont fini par mal tourner puisque Cao a abusé de cette jeune fille. Agression sexuelle, escroquerie, tout y passe, hein. Les enquêteurs découvrent la face sombre de Cao Kwang. Et fait étrange, quelques jours avant la disparition d'Abby, l'homme a loué un appartement dans un village appelé Lung Mei Tsuen. Lung Mei Tsuen, c'est un petit village côtier, c'est un lieu d'évasion pour les citadins de Hong Kong. Donc tous les week-ends, des millions de Hongkongais se rendent jusqu'à ce petit village pour profiter de la mer, pour profiter de l'air frais, un air qui est un petit peu moins pollué que celui de la ville. Bizarrement, Cao Kwang a loué cet appartement avec une femme, Madame NG, qui n'est absolument pas sa femme. Ça, c'est encore plus bizarre. Les enquêteurs découvrent que cette Madame NG, qui a 47 ans, est en fait masseuse de profession. Et c'est apparemment, depuis quelques mois, la petite amie, l'amante de Cao. Elle avait dit à ses collègues qu'il y avait un vieil homme riche qui voulait s'occuper d'elle et à partir de ce moment-là, elle avait cessé d'aller travailler. Et les habitants du complexe d'appartements sont vraiment perplexes à l'arrivée de Cao. Pourquoi est-ce qu'il loue l'appartement alors qu'il est complètement vide? Aucun meuble n'y est emmené, il n'y a pas de jour officiel d'emménagement dans ces lieux, puisqu'en fait, personne ne s'y rend. Les rares personnes qui entrent et sortent de l'appartement ont l'air vraiment farouches. Donc les voisins n'osent même pas leur dire bonjour, n'osent même pas aller déposer un petit panier de fruits, voilà, pour les accueillir. Ce sont juste des personnes qui font extrêmement peur. Peut-être qu'ils viennent d'un gang, peut-être que ce sont des criminels. En tout cas, personne ne les approche. Mais alors, qu'est-ce que Cao cache dans cet appartement? Forcément, une location un peu étrange quelques jours avant la disparition d'Abby. La police se dit qu'ils ont peut-être quelque chose. Et donc, ils décident de se rendre jusqu'à ce fameux appartement, loué par la famille Kwang.
Nous sommes le 24 février 2023 dans le petit village de Longmaidswen. Comme je vous l'ai dit, un petit village pittoresque, calme. On peut entendre les bruits des vagues qui s'écrasent contre le rivage, c'est magnifique. Mais le calme de ce petit village va vite être troublé par une horde de policiers. Les policiers débarquent. Ils sont prêts à trouver Abby ou au moins un indice qui pourrait les mener à elle. Et donc ils frappent à cette porte en s'attendant à ce que quelqu'un vienne ouvrir, mais personne n'ouvre. Ils jettent un œil à l'intérieur par les fenêtres et là ils voient que le lieu est complètement vide. Donc ils décident de défoncer la porte. L'appartement n'est presque pas meublé, il est clair que personne ne vit là. Pourtant, ça et là, dans les différentes pièces, ils trouvent des outils assez troublants. Des outils dignes d'une boucherie. Un hachoir à viande, une scie électrique, un marteau et même des grands impairs, des grands manteaux noirs. Et puis ils ouvrent le réfrigérateur et là, c'est l'horreur. À l'intérieur, ils trouvent des membres humains, donc des bras, des jambes. Ils trouvent également deux pots remplis de soupe. Dans cette soupe, il y a des carottes, des radis verts et de la viande hachée. Une viande hachée qu'ils soupçonnent être d'origine humaine. C'était comme s'ils étaient tombés dans un décor de film d'horreur. La soupe a été analysée. Dans cette soupe, ils ont notamment trouvé un crâne, mais également des côtes humaines, ok? According to sources, police have discovered the head of model Abby Choi, whose body was dismembered in a village house in Taipo earlier. This comes after searching different sites, including a cemetery in Chungkwan-o, for the second straight day. Après analyse ADN, il a été révélé que ses restes appartenaient bien à Abby Choi. Mais alors que s'est-il passé le 21 février 2023, le jour où Abby a disparu? En examinant les images de vidéosurveillance, les enquêteurs sont tombés sur des images d'Abby tout à fait vivante, habillée toute en blanc, toute pimpante, toute prête à affronter cette nouvelle journée. Elle attendait calmement son chauffeur, Anthony, devant le complexe d'appartements où vivaient ses anciens beaux-parents. Une voiture est arrivée, conduite par Anthony, Abby est montée dedans et la voiture est partie. Mais au lieu de la déposer à destination, Anthony a fait un arrêt pour récupérer son frère ou son beau-père ou les deux, alors ce n'est pas très très clair. Dans la voiture, une dispute aurait éclaté et Abby aurait reçu un coup violent à la tête. Ce coup était si violent qu'il lui aurait fracturé le crâne et elle était donc apparemment déjà inconsciente à son arrivée à l'appartement de Longmaidswen. Il fallait maintenant se débarrasser du corps, donc le corps d'Abby a été démembré, il a été cuit dans des grosses casseroles à soupe, d'autres parties ont été mises dans le frigo, d'autres parties dans des sacs poubelles, et tout cela dans l'espoir d'effacer toutes les preuves ADN. Moi je me suis quand même posé la question, pourquoi ajouter des carottes et des radis verts dans une soupe humaine. Enfin, le but n'était pas de manger cette soupe, ou peut-être que si. Je pense qu'ils voulaient tromper la police en fait, en leur faisant croire qu'il s'agissait d'une soupe ordinaire quoi. La police en est maintenant certaine, la belle famille d'Abby est directement impliquée dans sa disparition et même dans sa mort. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'appréhendent tous les suspects. Un problème se pose, Alex Kwong, le mari d'Abby Choi, a totalement disparu des radars. Personne ne sait où il est. Alors là, une chasse à l'homme commence dans tout Hong Kong. Les policiers se rendent dans tous les lieux où Alex pourrait être. Ils interrogent tout le monde, tous les passants. Est-ce que quelqu'un a une idée d'où ce mec peut se trouver, quoi? Selon certaines rumeurs, il se serait même enfui en Chine continentale, ce qui compliquerait toute l'affaire. Donc la recherche d'Alex Kwong se poursuit et pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, on ne parle que d'Abby Choi. Si vous allez sur son compte Instagram, vous verrez que sous toutes ses photos, il y a des milliers de messages de compassion, des messages de condoléances, les gens sont juste dévastés. Et au contraire, sur le compte Instagram d'Anthony, qui était donc l'ex-beau-frère et chauffeur privé d'Abby Choi, on peut trouver énormément de messages de haine. Les gens sont extrêmement investis dans cette affaire. Alors pourquoi autant d'intérêt pour cette affaire? D'abord parce que Abby Choi était une petite icône, célébrité à Hong Kong, l'héritière d'une famille très riche, mais aussi il faut savoir que le taux de criminalité est assez bas à Hong Kong. La ville est vraiment connue pour sa sécurité. Donc les locaux ont été très perturbés par cette histoire. Le 25 février, Alex Kwong est finalement localisé. Il se planquait dans un appartement luxueux de l'Arc Tower dans le centre de Hong Kong. Lors de son arrestation, Alex Kwong a été trouvé en possession de 500 000 dollars hongkongais en espèces, attention, de plusieurs montres de luxe d'une valeur totale d'environ 4 millions de dollars hongkongais. On présume qu'il voulait fuir avec toute cette fortune-là. Lam, un employé d'Alex, a également été arrêté puisqu'il a été chargé de la location d'un yacht qui devait servir à la fuite d'Alex. Le 26 février, Anthony Kwong et Cao Kwong sont eux aussi arrêtés.
mais c'est aussi le cas de l'ancienne belle-mère d'Abby Choi, Jenny Lee. Alors, tout le monde a été choqué par cette nouvelle puisque Jenny Lee était extrêmement proche d'Abby. Elle avait été invitée à son mariage avec Tam, mais il se trouve que Jenny Lee était elle aussi impliquée dans la disparition et dans la mort d'Abby puisqu'elle avait essayé d'effacer des preuves. Toute la police était mobilisée pour retrouver des parties manquantes du corps d'Abby. Malheureusement, à ce jour, plusieurs parties du corps de la jeune femme n'ont toujours pas été retrouvées. Le 28 février, des amis et des membres de la famille d'Abby se sont rendus jusqu'à une morgue afin de pouvoir identifier les restes de la jeune femme et puis pouvoir faire une sorte de petite cérémonie pour lui rendre hommage. Et lors de cette cérémonie, la mère d'Abby s'est exprimée en disant « Tu étais trop gentille ma fille, tu étais trop gentille et donc les gens ont abusé de ta gentillesse ». Tam, le mari d'Abby, était bien sûr dévasté. Finalement, il avait perdu l'amour de sa vie, mais il a promis de continuer à s'occuper de tous les enfants de la famille, notamment les enfants issus du mariage avec Alex, ce qui est quand même incroyable et c'est trop mignon, quoi. C'est trop triste. Alex Kwong, son père Cao Kwong et son frère Anthony Kwong risquent la prison à vie. Voilà les gars, cette affaire est assez horrible, mais je voulais vous en parler de manière assez chill, sans trop avoir préparé la vidéo. Je crois que j'ai eu à peu près tous les détails, tout ce qu'on sait à ce jour sur cette affaire, voilà. Maintenant, les coupables ont été attrapés, il faut qu'ils soient jugés. Malheureusement, on a perdu une très belle âme, puisque Abby Choi n'est plus là parmi nous. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Je trouve que cette histoire est horrible. J'ai passé beaucoup de temps à regarder les posts Instagram d'Abby. C'est si triste de se dire que cette jeune femme si vivante, qui avait tout son avenir devant elle, a disparu comme ça, de manière aussi tragique, pour des questions d'argent. Ces personnes étaient vraiment tellement ingrates que pour une question d'appartement, visiblement, elles ont décidé de mettre un terme à la vie d'Abby. Enfin, c'est assez horrible. Bref, la vidéo est terminée. J'espère que vous allez bien. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite.